Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les contours sur Illustrator. Sans plus tarder, je vais venir au niveau de l'outil trait et je vais sélectionner l'outil spirale. Je vais maintenir Shift et je vais dessiner une spirale. Je vais venir ici au niveau du contour, ou soit je peux venir ici et je vais l'attribuer une couleur de contour. Je vais opter pour la couleur verte. Ensuite, je vais augmenter l'épaisseur du contour. Maintenant, regardez, lorsque je clique sur contour ici, j'ai des options qui s'affichent. Ou soit, si vous venez ici, vous cliquez sur contour, il y a toutes ces options qui s'affichent. Ou soit, si vous n'avez pas cette fenêtre qui s'affiche chez vous, à votre niveau, vous pouvez venir ici au niveau de fenêtre et cliquer sur contour. Et vous aurez cette fenêtre qui va apparaître avec toutes ces options. Donc ici, tout ce qui vous reste à faire, c'est juste de tester les options. Par exemple, si je clique ici au niveau de extrémité arrondie, regardez à ce niveau, regardez à ce niveau. Je vais resélectionner. Si je clique ici, regardez. Par contre, lorsque je clique ici, regardez, l'extrémité est arrondie. Donc, je peux venir sélectionner les pointillés. Vous voyez? Là, je vais venir ici. Regardez. Ici. Vous voyez la différence? Et là, au lieu de 12, je peux mettre 6. Et si je mettais 24, on a beaucoup moins. Il y a plein d'options ici que vous pouvez essayer. Il y a même la possibilité de mettre une flèche. Vous voyez? Et ici, je peux permuter. Ici, je peux enlever la flèche, venir sélectionner une autre flèche, etc. Il y a tellement d'options. Là, je mets 100 pour enlever la flèche. Là aussi, voilà, tac. Tellement d'options, tellement d'options. Je vous laisse découvrir en tout cas. Au niveau de l'uniforme, on a aussi des options. Là, je vais désactiver les pointillés. On a ces mêmes options ici. Vous voulez faire des contours sur Illustrator, pensez à cette fenêtre contour. Voilà. Pensez à cette fenêtre et pensez à exploiter toutes ces options. Regardez, j'ai cette figure-là. Aussi, que je vais attribuer un contour. Ici, je vais mettre un contour vert. Je vais augmenter l'épaisseur. Ici, par exemple, regardez ce que je fais. Ça, c'est contour centré. Et là, c'est un contour aligné sur l'extérieur. Tellement d'options qui s'offrent à vous. Je vais effacer. Je vais venir sélectionner l'outil trait. Je vais diminuer l'épaisseur du contour. Ici, je vais venir sélectionner une flèche. Et si je peux permuter.
Très intéressant, toutes ces options, hein? C'est à peu près ce que je voulais vous montrer concernant les contours sur Illustrator. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Merci.